Le sort fait les parents, le choix fait les amis. Un adage qu'ont parfaitement compris Mélanie Page et son époux Nagui, actuellement en vacances. Les téléspectateurs et téléspectatrices de l'Hexagone ont récemment eu le plaisir de retrouver Mélanie Page 17 ans après avoir été au casting d'Ariane Ferry. L'épouse de Nagui était en effet à l'affiche de l'École de la vie, où elle interprétait le rôle de Sandrine Joubert aux côtés notamment d'Émilie Dequesne, Déborah François ou encore Marc Lavoine. Un rôle à l'opposé de sa personnalité. Comme elle le confiait à nos confrères et consoeurs de Femmes Actuelles, ce personnage n'est pas à l'opposé de moi. Malgré son côté très décalé, mais il y a une chose qui a été très difficile pour moi. Je me suis rendu compte, sans le vouloir, que j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps, donc il a fallu gommer cet aspect de ma personnalité et c'était très difficile. Et pourtant, c'est une Mélanie Page radieuse et souriante qui est apparue ce lundi 19 juillet sur Instagram. L'actrice a en effet publié une photographie de ses vacances aux côtés d'une pléthore de vedettes telles que son compagnon de jeu Bruno Solo. Les animateurs Manu Lévy et Michel Sim, de la journaliste Leïla Kadour, de l'ancienne Miss France Valérie Bègue, et de Didier Deschamps et de sa compagne Claude. Visiblement remis de l'élimination de son équipe en huitième de finale de 2020 Euro. Ce dernier apparaît tout sourire aux côtés de son épouse, laquelle trinque à la santé d'internautes conquis par cette image. Une des grandes joies sur Terre, c'est l'amitié avec l'amour et la famille. Si on peut tout allier, c'est le bonheur. Belles vacances. Superbe équipe. Photo pleine de bonne humeur, que du bonheur la vie quoi. Oh là là. La belle équipe. Après le festival de Cannes, ça a dû être le festival de Vannes. Point d'exclamation. Happy Holiday, Nagui, Manu, Michel sur la même photo. Doit y avoir une ambiance de dingue, aïe aïe aïe. Trop bien ces moments entre amis. Profitez à max. Bonnes vacances à vous tous. Qui a dit que la télévision était un entre-soi ?